Aujourd'hui, la zone euro ne fonctionne pas parce qu'elle n'a pas de budget. Une monnaie sans budget ne peut pas fonctionner correctement. La zone euro ne fonctionne pas parce qu'elle n'a pas d'incarnation politique. Et donc, il faut une autorité politique à la tête de cette zone euro, un ministre des Finances, ou on peut le nommer sous plein d'autres formes, mais nous avons besoin d'une incarnation politique. Et puis, nous avons besoin d'une institution, d'un parlement de la zone euro, qui peut prendre différentes formes. On n'est pas arrêté sur un schéma bien défini, mais ces trois éléments, budget, autorité politique avec un ministre des Finances par exemple et un parlement de la zone euro sont trois solutions qui permettraient de réformer cette zone euro et de lui donner plus de cohérence pour faire en sorte que l'euro soit une monnaie qui permette à l'économie européenne d'être solide, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui.